Fantastique Info TV, magazine au business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci. Voilà, mbote na bande konyo so, il y a Fantastique Info, tous allés en direct na commune ya Mitende. Et commune ya Mongafou là, na quartier ya Mitende, l'entrée à Grand Hôtel. Voilà, où tous allés na papa, on s'est présenté pour la bande de Kouaib, pour la première fois. Mbote papa. Mbote mingi, papa Lucien. Voilà, mais quand un peu connu, ça va dans des fantastiques infos, aux autres alors de partout, au bâton, ça va dans les 5 ans, sur ma monnaie, Ndeko Yassika, pour la Royambaye, na moté, ma moko, comme on a eu nani. Comment on a eu papa Moley Guilin? C'est mon vrai nom, Moley Guilin. Voilà, vous allez nani. Nazali, ingénieur agro-vétérinaire. Voilà, donc vraiment, bande de couva, bâton, ça m'a mis pour la rejoindre. Ma cambo est belé, na bouillé, bio, repartagé, na bango. Parce que l'émission d'habitude, la namara toujours na stylo na bloc na pour la bande comment comment makambo oyoyo okoloba oyekotala itil pour na bango to benga kango université buissonnière. Alors tous amis na katina tous amis na yo na ferme ya Mama Bibi on a l'habitude depuis Suède et tout le monde na katia. Alors commentaire nini yo ko sala pour la descente na biso to commune na katia ferme yo. Merci beaucoup. Commentaire ya liboso na rosa les aliko pour élever les alik trop petits parce que nous luttons na ndenge ya kolia ba biloko oyo ezali importé to li to lia biloko na biso moko bio, c'est-à-dire nous on produit sur place ici donc on a tous un abandon au yabis sur place awa ça collait ça vous allez quoi encadrer vous allez quoi engraisser en gros juste écoper sa biso une très bonne viande viande fraîche et mon temps à colis en avec beaucoup d'assurance mais et vous en a valeur nutritive mon coup ya makasi de façon que azana santé ya bien mais azana banticor ya malunga. Lutte n'a biso ezali ya koboya ba biloko ezali importé oyo ezali déjà na ba formol oyo ezali lisusu na ba valeur nutritive na katite oyo ke mutu tango akolia yango eyebi ko renforcer ba anticor na ete ezali ko rendre encore de gens plus faibles et que devant les maladies quelconques comme ça ba yebi même ko lutter na yango te et beaucoup de gens ba kokoma na ba kaya ba maladie beaucoup de gens ba komi très faibles devant n'importe quel virus. C'est pour cela biso tozali ko appuyer ko soutenir ba élevage na biso ezala élevage porcine ezala élevage aviaire tout ça ça dit commenter na ko salande yango na j'encourage tout le monde oyo azana ba projet ya ba élevage j'encourage tout le monde oyo azana ba projet ya agriculture c'est dans ce sens là parce que c'est dans le cadre de notre domaine et élevage ça ko contribuer na développement ya mboka. Voilà, merci. l'élevage, ils ont contribué à développer un bon cas. Alors, VT, par commentaire, nous salut par rapport à Yabangoulou, Oyo. Ils ont mon image, je crois, mais ils voilà, de partout. Bangou, moi, quand on a mon cas, commentaire, dans le Bangoulou, ils ont mon ana. Yo, en tant que spécialiste des motos, yo, aux 8 ans, y'a autant qu'il y a un gros, par rapport à santé, Bangoulou, Oyo, Bazo, Repoisa, devant Bissau. Merci beaucoup, papa journaliste. Nabangoulou, ils allaient devant Bissau. Nazali na regret mouké. Je ne dis pas qu'il y a un grand regret, mais je dis un petit regret. Voilà. Dans le sens que, du côté, il y a alimentation. Vitesse de croissance, il y a bête. Mounene ya nyama. Et c'est la même, il y a moutou. Tout ça, la base, c'est l'alimentation. Ok. Maintenant que l'alimentation est très faible, maintenant que l'alimentation est rare, maintenant que l'alimentation devient occasionnelle, nous avons une semaine, 3 jours, un mois, aliment à malonga exaté. Au commun, à cause de la un bon pointé, à cause de la trop gratté, à cause de la mounéneté. Donc, c'est un regret que je, parce que les alliés élevage, nous avons ça là, n'a commerce. Et pour mieux vendre votre porc, et que aux Zambongo, il faut azala na poids moko ya malonga. Maintenant, ceux qui azala na poids ya malonga te, mbongo yo ko zwa, et ko zala ya malonga te, ou ko tike la ko récupérer ba mbongo oyo yo, ko sa yela ki ba dépense ni de vache wana te. Donc, mon grand de regret ici, ils ali prise en charge, ya ba ngoul oyo, côté alimentation, côté entretien nango, côté paye ya ba soin nango, médical. Voilà. Merci beaucoup. Alors, question qu'on se retourne à yo, VT, par rapport toujours il y a domaine na yo, yebi, oh, tu as la confiance na yo, puis tu as la, et c'est un homme qui a eu un témoignage na yo, dans mon salaire maîtrisé, il y a
élevage. Alors, mais qu'un peu qu'on s'engage, qu'on habite sur d'autres habitations de partout, parce que le mieux quand il y a alimentation, le mieux quand il y a traitement, soins médicaux, il y a maniamapé, c'est très important pour na élevage au sein du sabongo. Alors, parlons d'abord d'alimentation. Ngulu et singeli alia, ngulu moko, tout maintenant on a pas porcelain. Et singeli alia kilo boni na mokolo. Après, ngulu a commis déjà ngulu et singeli alia kilo boni na mokolo. Mais parce que le réseau ça la bateau fait dans l'habitation de partout par confusion. Azoye bate azomona comme si mutu oyo aza na terrain et bon azoli ralé mon son de blé ngo bien sauté garango ainsi soit azosoma mukie parce que vérité dans la mingité yo en tant que spécialiste mais que ko limbo la bande ko azota lo de partout o azo azo o azoli ngaba bukota na élevage ya koboko la bangulu to ba oyo déjà ba kota mais baza toujours na flou azomona ah bazo ko sangai mais quand yibisa bango ngulu esengela lia kilo boni na mokolo. Merci beaucoup, papa journaliste, pour la parole. Yali Bosso, avant de répondre par rapport au nombre de kilos, Oyomulu Akolia, Nazo Bandela, moi, explication, Moko Mouke. La première de choses, Ezali d'abord le choix des races. Ok. Race Nini Oyo Lingi Kobokola. Pour que Akenina croissance Yamakasi, dans 10 mois, dans non 11 mois, a commis déjà 150 kilos. Problème d'abord, il y a le choix de la race. Okay. Parce que ce que vous avez du roc, ce que vous avez l'andras, ce que vous avez piétrin, la race wana avez le lobby, wana, du roc, l'andras, piétrin, même la large white, et la race moko ya bien par rapport à la race wana, locale. La race wana il faut être la race d'origine. Ndenge belge ya ki ayela ki biso ba rason yangonde ezana vitesse de croissance pour que ekola noki maintenant tant aussi au sali choya ba rasona toye na alimentation quelle alimentation o ezana valeur nutritive o esengeli que bangulu na yo baba na kolia mpo ba évoluer bien c'est là où les bas blessent côté ya ba éleveur qui y a une confusion dans un premier temps. Les éleveurs considèrent comme le son de blé les aliments de base. Pas du tout. L'aliment de base, c'est le maïs. C'est lui qui est l'aliment de base parce qu'il est essentiellement céréal et il donne l'énergie dans le corps de porc. Maintenant, le maïs là ne peut pas être alimenté seul. Il faut azalana à côté naïe aliment mususu ou yekopé ça y renfort de façon que moulo alia repas naïe zala complet. Nous avons maintenant le soja. Lui, il donne les protéines dans le corps de porc. S'il n'y a pas de soja, vous pouvez trouver même malt. Na pesina nous exemple, tant que vous avez maïs na yo, ozu soja, otewana, oyekoluka, tourteau palmiste, otena place wana, ozu son de blé, otena place wana, ozu additif mususu otie, déjà au sali formule moko ya bien de façon que bana ko alimenter ba moun na yo. Mais au réseau salima mingi na mboka na biso, les gens commencent toujours à considérer les sons de blé comme l'aliment de blase. Or que son de blé copé c'est l'eau comme on a bangoulou thé. Je profite même na bateau balé isaka ba dresh. Dresh, ba déchet à brasserie. Ba salima sangakuna na bralima. Maintenant les déchets là, oh ya mal, ba yé nango akoumi les sangs. Non, on appelle ça aliment de base thé. L'aliment de base c'est le maïs. Mais les aliments passent mingi na mboka na biso parce que maïs est allé recommander. Et ça va sangou ndenge mutu aliaka. Yangwane sengeli ngulu pe asa nini alia. Malheureusement na mboka na biso production est à ma capacité, bato akomi ko sala recours na biloko ba mama bazo sa to bengaka des poupoula. Ce sont que des déchets qui n'ont même pas une valeur na kati aliment wana. Ba komi siko yo minoteri loko la mino Congo a tourner siko semoule na ye, le même déchet là aller à qui ko pe son aliment de bétail. Ça n'a même pas de grande valeur. Tandis que c'est le maïs où les alliés ont valeur nutritive, n'a pas de graines, surtout un maïs plein, n'a pas de viande, n'a pas de zaganakati, n'a pas de bouraille yango, associé n'a pas de tourteau de soja, n'a pas de tourteau palmiste, n'a pas de farine de poisson, n'a pas de farine de poisson, même farine du sang, et ça va aliment nutritif, tant que vous pouvez vous en avoir, n'a pas de malonga. Je reviens maintenant à point na yo ya question, tout n'a qu'il y a kilo. Tozali sikoyo na mama ya ngulu aboti bana na ye. Tango ya aboti bana na ye, bana na tan wana siko bazo melaka ka mabele. Nous disons ils sont sous tétine. Mabele ezana valeur moko ya makosakanate oyo ezana kato bengon colostrum.
valeur nango ezaka nzambe muto atiango na kati wana valeur nutritive element monsieur ko remplacer colostrum ezate. Maintenant le problème encore c'est quoi tango ngulu azolia mabe azomela mabele wana et que okomi na temps ya séparation ya bana na mama auto bengi sevrage. C'est là encore le bas blesse, bas chute, bas nakawana, bas ngulu bas koma kachetif à partir wana. Le kola outa ki na ma belle eke, au kabole na mama, il faut que luka aliment ou eza na valeur, moko même remplacer ma belle ete, mais ou eza na valeur nutritive le kola ma belle. Ou eke, ou kosa la résistance, bas na ba ouza na santé a bien. Mais na place wana, bas éleveur, bas ouzo ngakana, bas son de blé, na ba aliment. Or, eza na ba aliment ou eza li bien fabriqué, na ba zootechnicien, ou to bengi aliment de sevrage. Le kola, toza na ba. Aliment de sevrage, bah. A1, aliment de sevrage, bah. Aliment de croissance, tout ça, tout consort. Alors, maintenant, yo zana ngulu na yo, azali na 10 kilos. Ozali ko pesa ye biloko, ngulu na yo kakaza na 10 kilos. Il faut ko pese ko zana balance. Oye baka poids, ya ngulu na yo. Ke ngulu loko la zana 10 kilos, yo zi, o pesi ye biloko, a moins de 10% ya poids na ye. Ça ne suffira pas. Donc, on a par jour. Par jour. Donc, et aussi ma thé, et que Mouluana a causé la santé à Malonga thé. Moulu Sogazan a 10 kilos, Nandeng Mboga n'a vu ses allées passer. Le minimum, je dis bien, pèse à 10 kilos par jour. Vous allez voir quand même que Mouluana a causé la résistance. Mais quand vous lui donnez 1 kilo, moins de 10 kilos, au Yazan a moins de tout naïe. Donc, il ne donnera pas un bon poids, et puis à cause de la croissance à Malonga thé. Je dis bien, cet aliment wana, il faut être bien mélangé. Les maïs, les soja, les tourteaux palmistes, les farines de poisson, et puis au baxi, basson de blé, tout consort. Bien mélangé, et puis au moins qu'il y a 10 kilos pesés dans la balance, au pesé quand même 2 kilos. Le 2 kilos d'un aliment bien mélangé. Et nous allons voir vraiment, nous le reconnaissons très bien. Mais nous avons 10 kilos, il y a pesé 1 kilo. Tout pesé n'a 1 kilo. Là, ça ne suffira pas. Je crois que on comprend trop bien, papa. Voilà, on comprend vraiment. Après, bandeko, on a fantastique info. Basépeli na connaissance na yo vete gilan na ningozo partager fongoli biso mémoire et belé ba beti maboko eska bazola ndo de partout vraiment ngana pe sio déjà félicitations. Alors deuxième point le belé biso makambo etali soins médicaux bangulu le bes d'aller un peu capital pe mais quand peu ko commenter yango pour bande ko no ba otala ba me ko yeba le biso de soins médicaux en beza capital expliquer quand est-ce la pesa bangulu singa zo soins médicaux quand est-ce ngulu singa zo vaccin ba prix na peza la raboni pour cela parce que valobi que l'air mutaye bili kambute a okanisolo makambe bele bele ma parce que tout dans la problème batu mingi bazoli ngamba investir na mboka na biso baza batu bazali bazali banda ya mboka utubinga bango ba diaspora azo mona ningi na pays o ya vandi ndema mazoli kana ningi na biso za la biente yango a mona ke na a bazo ko sanga baole la ngai o ko mona yo ozali responsable oza mutu oyo olukaka vina yo oza na posante ole la mutu ba parce que tu peux gagner aussi ta vie ici. Il y a un autre qui avec beaucoup de raisons, mais qui ont expliqué que le vaccin est important. Mais expliquer que le vaccin médical est important. Mais quand on peut détailler, est-ce que la moto est vaccin, tango nini, est-ce que la moto est tonga, tel, n'a ningou, la tonga, tel, la tango nini. Expliquer que le vaccin est important. La porte à tous les gâteaux, tout le monde est malam. Merci beaucoup, papa journaliste. Les entretiens, mon coeur, à malam. Alors, naïe na côté à soin. D'abord, je reviens un peu, na moi pas mon coeur ailleurs. Ngulu azali nyama. Nenge mokona mutu. Biso na médecine tolobi, l'homme c'est un animal. Pourquoi? Parce que il a le sang, il a le corps. Nenge ngulu azana ngo, azana makila, azana ma nyon surtout. Nenge sang. Alors, maintenant le kola, ngulu azali nyama. Azali na makila, azali na misuni, azali na nyonso oyo, ndenge mutu azalaka nango. Donc, azana droit ya un moment donné, ya ko bela. Alors, tango ya ko bela, esengeli ba pesa ye ba soin po asa nini, abika. Alors, pour un premier temps, ya liboso na ko senga na bandeko, tozali na ba soin oyo to bengi, ba soin hygiénique, na ba soin oyo to bengi, médical d'une façon curative. Na yé na soin hygiénique. Et si quand moutou nyon soto a vandi, to et si quand nyama, oyo azali ko vivre, na katia ba box, et sengeli et si kawana ezoaka soin. Ça veut dire quoi? Le nettoyage est obligatoire. Et c'est chaque jour dans le box.
Le nettoyage là, ça ne peut pas se faire comme ça, vaille que vaille. Il faut les accompagner dans les désinfectants. Je donne l'exemple tel que de Javel. J'ai donné l'exemple de Javel. Il y a des permanganates de potassium. Et il y a des virgules. Ce sont des désinfectants où ils allient très très fort pour que, et si il y a Vandi, ils allent infecter. En dehors, il y a Kobongi. C'est si il y a Vandi, naba Javel, naba virgule. Yé mon kongoulou, il faut bien installer maka chaque jour pour que pour na yewana ezala propre parce que zoki na consommation humaine a kokozana salité. Donc il faut ba souko la cahier chaque jour ba mona que pour na ezala propre ba sabon na ou ba botte na ezala toujours très propre. Donc mai ezali ba pulvérisateur ezali ba arrosoir ezali mouta kokotia savon de poudre anakati aza ko arroser na niveau ya ngulu mpe azo lekisa linoka avec ba savon médical tout ça pour ngula comme propre de façon que pour na ezala na ba piste pour na ezala na ba poute. Ça c'est dans le cadre des soins hygiéniques. Maintenant j'entre dans les soins curatifs. Nyama akoy kobela tango nyama komi kobela. Muntu oyo azali kolei sa banyama neti ngulu to ben komo porcher. Il vient comme ça pour qu'appelle sa ngulu biloka kolia. A remarqué que ngulu wana za kana courage ngulu azo telemate. A remarqué que ngulu wana zo kolia te. Mais non, mais ngulu azala kabote. Pourquoi ngulu akomi malili bo? Pourquoi zo kokote mate? A telemi pe azo kolia te. Donc comme il n'a plus de courage azo kokolia te, lui yen ça ne va pas. Maintenant il faut que benga biso ba corps médical vétérinaire tel que je suis koya sur place de façon que Omega Koyeba, qu'est-ce qui se passe dans le corps de l'animal? Et nous, là, sur base des symptômes, Oyo, nous, là, qu'on présente, nous, là, qu'on a la diagnostic, et le diagnostic, là, qu'on permet, là, que voilà, net, nous, là, on a remarqué que, il y a un problème, il y a verminose, c'est-à-dire, il a de veur, na kati ya nzotu na ye, menana ki ne kosomba ba kisi, na mega ko combattre ba veru. Tango na ko traité ye ke, abiki, nous, là, zongi na vie, na ye, normal, nenge zaka. Ça, c'est dans le cadre des soins curatifs, c'est-à-dire ngulu abeli verminose, ngulu abeli maladie mokoboe, yo yena bakisi o traité, ngulu abiki, c'est les soins curatifs. Nous avons aussi les soins préventifs. Préventifs dans le sens que maladie yena nouté, mais ba cas épidémiologique, je donne l'exemple rapidement, net ba peste porcine africaine, net tozali na ba rouge, wana ezali ba maladie ya makasi o ezali ko silisa ba ngulu na kati ya ba étendu na biso même na Afrique, même na mboka na biso Congo. Maintenant maladie wana tango ezali musika et ko ezali biso zana kishasa awa à partir ya mboka lokola peut-être Mbanzangoum balobi ke rouge du port e bandi déjà kuna déjà biso wana kishasa tokozela te. Nous sommes obligés maintenant à consommer un Rivax, à consommer un Sikoba vaccin, à tenir combat Rivax, pour que, comme on a déjà piqué dans le Bangoulou Nabiso, on a un titre préventif. De façon que, tant que malade, on a un monde Bangoulou est déjà vacciné. On a un Rivax dans les autres. Et les cani, et que Bangoulou a un problème. Mais on a négligé le vaccin, on a affecté, et que on risque de couper. Et tant que on a affecté, maintenant, ça n'est plus un problème de traitement préventif, ça devient maintenant un problème curatif. Il faut aussi qu'on ait traité Bangoulou, parce que malade, c'est côté déjà. Il y a un temps, on peut s'assurer vaccin, parce que le vaccin s'est déjà passé. Maintenant, il y a un temps. Ko traiter maladie wana koti pour que ba microbe za kati ya nzoto ekufa ngulu sa nini abika. Alors na cadre ba rouge wana il y a toujours des complications, mais moi avec mon expérience je dis bien avec ba qui se batte biso anje spirovet et ba ko combattre très bien kaya rouge soki ozali na mayele ya koyeba ba dose nango. Mais le cas la peste porcine africaine, je mets attention aux éleveurs, c'est une maladie qui décourage les éleveurs. Et Moutouako Sabinoté, je le dis, même les médecins, tout le monde, jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons pas encore eu un traitement curatif sur cette maladie-là. C'est pour cela que ça a toujours conseillé les éleveurs, au cas où il y a une déclaration de peste porcine africaine, il faut déjà éliminer tes porcs, les otinamou na boucherie, avant que babé la maladie wana. Parce que ceux qui ont béli, na côté na biso, ben fort les alliés pensent que toujours n'a nous même un bon vaccin ni un traitement curatif. Ça, je suis sincère et tout le monde qui me suit le connaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Papa Guilain. Balandia Fantastique Info.
Baton dit les 5 mois, je crois que Kaina Banga va 12 feuilles et ton dit kaka. L'émission est l'élo, il y a cours, il y a université. Mais grâce à Fantastic Info, nous avons eu le Zouango, nous avons eu le Fauteuil, nous avons eu le Merci beaucoup. Yo, émission, c'est Pelicio, tu sais, nous avons eu le pour partager la vidéo, nous avons eu le Moussousou. Ingénieur Guilain, nous avons disponible pour nous partager. Savoir, nous avons eu le pour nous avoir eu le Moussou, nous avons eu le développé parce que tout comme ma casse, c'est ce qui nous a produit, nous avons eu le Moussou. Alors, ingénieur Guilain, pour nous libérer yo une toute dernière question je pense okuroyi bisangai bangulo tozomona awa bazaka rasinin merci beaucoup bangulo oh tozomona awa bazali ba croiser c'est à dire ngulu ya mboka o to bengi local ba croiser yesikoyo na large white donc na meti nde ba pesi biso ba hybride oyo ba croiser ba za ba pireté. Okay. Oh, ngulu eza pire, ça dit quoi? Ça dit aza na kati ya nzoto na ye 100% ba souche d'origine peut-être large white. Aza la kamulai pembe partout. Mais ba oyo baza ba croiser, ba ji ba local, ba yoko sangisa, ne omoni bazo pesa biso ba hybride oyo ba croiser. Mais ba croiser oyo bazaka toujours na un problème ya ba développement par rapport na ba ngulu eza d'origine. C'est pour ça que mon net nzoto ça la neti mwa ko kangama au lieu d'a évoluer rapidement azo bunda bunda na ba retard de croissance ba kaka kaka ndengwana donc nos ports ici bazali ba croiser pire moko azalia wa te et tozali pe na mwa souci mingi na mboka na biso ya Congo banda ba belge ba kenda ba flamand ba kenda ba race pire mingi tozara nango penza li susuté ça je mets accent ba to bazana ba moyen mingi ba ça le fort de façon que ba meka ko importer biso ba susuana ya kala ya bien ya pire ou kozwa ba sperme mango kuna to sa l'insémination artificielle na bangulu na biso awa to zo ba raspi ou to zo ba meti molo molo to zongi na pi pour aider ba éleveur que to zo na ba croiser o merci beaucoup merci je vous beaucoup. En prie merci papa Guilain to sepeli makasi na ndengo partager boye binayo na bande ko ya Fantastic Info Oyo, bazo landao partout, oyo, bazo dima rendez-vous na biso, ya émission na biso kitoko, na makambo itali développement. Alors, to pesi boton ni na bino sobo lande biso, to komi mbala ya sima, kobo sanate, sogi mbala noe li bose rota la biso, to rosenga na yo, ome ka rosabone, pe ko partage video, na bande ko mususu, oyo, oyebi kazali na posa, ya boyebi, makambo itali développement, makambo itali bibwele, pona développement ya mboka na biso. Ezala ki bongo, Molobeli Nabino, ambassadeur de la terre, Lucien Bokite, oyo, na zoma ki ete na kati ya province ya Kinshasa, na komine ya monene ya mbonga fula, na karti ya Mitendi, na kota ki na entre ya grand hotel, et seka ete na komi la ferme ya mama bibi, oyo, apesi biso konfiansi ya okota nesika na ye, merci pour la confiance, to sengi na bande konyo so, boza la vraiment bo dekouraje te, oyo, makambezo kome la ebele ebele, na oye tele bibwele, to kota ni mbala ya sima. Fantastic Info TV, magazine au business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci.